Les amis, minuit 4, on va commencer quand même. Donc du coup, on a 14 titres sur ce nouvel album de Black M, La Légende Black. 14 titres, 47 minutes et 4 secondes, pour être précis, de son. Donc quelques extraits qui sont déjà sortis. Donc évidemment, Dr. Snitch, on y avait réagi. Grandir avec Amir, je ne l'ai pas écouté. Tagada, je ne l'ai même pas vu. Franchement, en fait, je suis passé complètement à côté. Moi, j'ai pris le train au moment où il a sorti Légendaire. Enfin, on va voir ça. Légendaire, évidemment, l'intro, on y a déjà réagi. Donc voilà, on feat avec le doc. Et on enchaîne avec un autre son en feat avec le doc qui s'appelle Langue de Vipère. Donc les amis, on est parti. Ah, ça me fait grave penser à... Ça me fait grave penser au son La Légende Black. Et on disait qu'il avait trop de tir et qu'il vendait du rêve aux ladies. Langue de vipère, oui, l'en est du père. C'est le même délire. Je les ai vus sur Twitter te faire. Comment tu vas dire que tout est fake? Les bâtards ont noté tous les faits. De quoi faire un coup d'état? On aime. C'est parce qu'ils disent tout est faux. J'ai bien payé la pension, même du no, no, no. Ok, ok. Ah ouais, c'est un peu du vu et revu là, sur ce son là. Parce que ça me fait vraiment penser au son La Légende Black. Pour ceux qui s'en rappellent. Tu n'es qu'un mytho, ego, d'après toutes celles que t'as côtoyées. Tu es mon gars, n'est pas mérité. Ce n'est que la célébrité, question de crédibilité. C'est pas ce que je dis, tout est faux. Mais attends, en fait, je viens de capter un truc. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu générique de dessin animé, ouais. Là, le refrain il reste en tête. Hein. Alors attends, j'ai envie de faire une pause là vite fait. Le doc, ok, donc lui, ouais, vraiment. Mais en fait, j'ai l'impression c'est la même voix que Dr. Belize en fait. Je sais pas si c'est lui juste qui a changé de blaze. Mais c'est la même voix pour ceux qui connaissent. Qui veulent nous imiter. Tu fais sonner mon bigot, mais t'es pas un vif de vipère. Je t'ai sur la pitaine, casquette de capitaine. Si leur vie. Ah ouais, c'est la même chose, hein. C'est un bon son refrain. Ah ouais, c'est lui, bah ouais, de ouf en fait, il a juste changé de place. J'avais pas capté. Ok. Je suis un peu sur ma fin. C'est un son sympa, c'est un son solaire, c'est un son très refrain, parce que le refrain, je crois, on l'entend 4 voire 5 fois. Donc du coup, c'est un peu vu et revu, parce que ça me fait penser à La Légende Black, le son. Non pas l'album, mais le titre La Légende Black, pour ceux qui connaissent. Feat avec Dr. Belize. Donc pour moi, Dr. Belize, en fait, a changé de blaze. Il s'appelle Le Doc, maintenant. Parce que c'est la même voix. Et bon petit titre. Mais bon, c'est en fait, c'est la suite de La Légende Black. Donc moi, je suis pas trop fan de refaire la même chose. Tu vois, les trucs faits, refaits. Mais en soi, sinon, mis à part ça, oui, c'est un petit son sympa qui fait un peu délire générique de dessin animé. J'avoue que c'est pas faux. Le pouvoir. Bon, on est parti. Avec le titre Le Pouvoir. On part sur du blues ou quoi, là? Je suis rentré dans ce bar un beau soir. Le serveur ne m'a pas dit bonsoir. Je me suis posé près du comptoir. Sans le pouvoir. Terroriste. Je vais le voir, je lui dis mon gars, je ne veux pas. Ouais, c'est vrai, mais voilà que c'est vrai la gueule. En mode roi lion, frère. Ça fait Disney de ouf. Mais ouais, en fait, c'est le roi lion. Tu connais section d'assaut, le pouvoir. Voilà que c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a un délire Ben l'oncle soul, ouais. Ouais, il y a un côté un peu jazz, blues. On est un peu dans les dernières années 60-70 à l'américaine, quoi. Avec un mélange Disney, quoi. Tu vois, t'as eu un mélange de tout ça, quoi. Eh oui, mes chers frères et sœurs. Vous voyez ce que le pouvoir peut faire? Vous, bon, sacrilège. Continuez à être dans l'ignorance si vous continuez. Cougna maman. Qui c'est qui a fait ça? Merde, il a appelé qui pour faire ça? Ouais, un délire très, très spécial. Hein. Ouais, je pense qu'il s'est inspiré du son du Roi Lion pour moi. Le pouvoir. Pour moi, c'est carrément. Au refrain, en fait, ça s'est entendu direct. Ouais, c'est un délire un peu spécial. Moi, encore une fois,
J'aime bien parce que voilà, il y a un petit côté original et tout, même si le refrain, là, c'est repris du Roi Lion. Mais il a voulu un peu amener un délire Roi Lion mixé un peu à du soul, à du blues, à du jazz. Enfin, il y avait un peu de tout. C'était un peu un fourre-tout, quoi, ce titre. Moi, perso, c'est pas ma came, mais ça a le privilège d'être original, malgré que ce soit un petit côté remix. Tagada, alors le titre. Bah, putain, ça me donne envie de bouffer des Tagada, d'ailleurs. Tagada, bon, on est parti. Un son qu'il avait déjà sorti, mais j'ai même pas capté. Elle est rentrée dans mon esprit. Je sais pas pourquoi je m'investis. Le linge est sale, y a pas de lessive. En plus, on est en public. On veut se faire du mal. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Demande à quoi tu joues. Après là, c'est un délire plus afro. Elle est douce comme fraise d'Agatha. Quand c'est doux, y a deux boîtes à quêter. Non, non, non. Charismatique, je la laisse faire. Elle fait comme si je n'étais pas l'âme de sa vie, mais au fond, c'est ce qu'elle espère. Pas ma faute si je suis un peu taquin. Elle est douce comme fraise d'Agatha. Pour t'inquiéter. Il me fait quand même bouger la teuté, ce con. Ça, c'est pas trop mon délire et tout, mais après, enfin, j'irai mon avis final quand même sur le projet. Là, on est qu'au début. Pour le moment, je peux pas dire certains trucs. Là, on va essayer de juger son par son. Donc, du coup, voilà le titre Tagada qui était déjà sorti auparavant, mais je suis passé à côté. Ouais, un petit son solaire, un petit son, voilà, un peu afro, qui est agréable, mais encore une fois, c'est pas ma came, c'est pas ce que j'écoute, c'est pas le truc où je me dis waouh, incroyable. Enfin, voilà, c'est malheureux. J'aime pas dire ça, mais c'est, tu vois, pour moi, c'est un son banal, quoi. Tu vois. On enchaîne avec Smile. Oh là 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 là, on part dans quoi là? En fait, c'est un album full risque. On dirait la pub Tic Tac. E musica per la tua bocca. Elle a tapé sa crise, elle m'a dit ça y est, je vais te quitter. Ses copines le disent, y'en a marre des sottises qui sont devenues banalités. En vrai, y'a un délire, hein. Parce qu'en vrai, en soi, là, le titre comme ça, je dis, waouh, c'est full risque, je respecte, mais c'est pas ma came. Mais en vrai, là, je me prends le son, en fait. Je te jure que je me prends le son, en vrai. Parce que mélodiquement parlant, c'est très très bon et c'est un bon niveau. Le noir, il est venu devant la cité. On a vu dans son regard noir qu'il ne comptait pas faire les choses à moitié. Retour de flamme, ce dernier avait fait la même dinguerie l'été dernier. Incroyable de parler de ça sur ce type de son. Mais voilà, le son est lourd en vrai. T'as trop teasé ce soir. Ah ouais, en vrai, c'est prenant. J'ai juré. En vrai, moi, il m'a piqué l'enfoiré. D'habitude, mon gars, sur nous dit tranquille ou les gars, je maîtrise tout. Mais cette fois-ci, il a tapé un arbre. Ok. Ah, de ouf, là. Ah. Oh, les synthés et tout. Ah, bien chill, ouais. Grave. Non, franchement, son prenant, tu vois. J'allais être négatif peut-être au départ. J'ai dit, ouais, je sais quoi, ça, ok, on a compris que tu prenais des risques. Mais le son m'a pris de ouf. On enchaîne avec le titre Diva. Elle veut sortir pour pouvoir oublier ses cours. Son regard en dit long, mais tu ne vois que ses courbes pour... Super agréable comme titre. Moi, j'ai kiffé. Hein. Prochain titre, alors c'est un feat avec Tyke. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, les mecs, je suis pas un grand fan de Tyke. On va pas se mentir. Le mec, il ken à chaque fois son micro en studio, je peux pas. Moi, je ne trouve plus le voilà. Sommeil. Moi, j'étais seul sur mon navire. Aujourd'hui, attends. Plus rien. Ce je que les pas. Hommes appellent le cœur. Non, mais il est fort, hein. Non, mais en vrai, on va faire un mini débat sur Tyke. Le gars est fort. Le gars chante bien. Le gars a des vibes incroyables et tout. Mais moi, je peux pas. Moi, je ne peux pas écouter, en vrai. Qu'est-ce qu'il m'arrive? C'est pareil. De toute façon, Black M, il va appeler Tyke pour faire un son sur une meuf. Il va pas appeler Tyke pour faire un son style Dr. Snitch ou en mode Black Shady. Non, il va pas faire ça. Hein. J'aimerais qu'on t'aide ensemble. Je sais que tu me suis dans ma folie. Tu m'as rendu fou comme le savant. Souvent, je me décompose. Et l'impression que je m'enfonce. Je me demande où ta version. Non, le son est pas si nul que ça. J'aurais vu Tyke. Bah, en fait, c'est ça. En fait, en vrai, sur ce type de son, Tyke, il a tellement une identité
très spécifique et un style évidemment bien propre à lui, que je trouve que quand les artistes ils invitent Tyke, en vrai ça fait pas une plus-value parce que déjà c'est la même chose, tu sais à quoi t'attendre et c'est toujours les mêmes thématiques, toujours les mêmes trucs. Et pour moi ça apporte rien de plus, tu vois. Grandir. Donc avec Amir, j'ai pas réagi à ce son-là, je suis passé complètement à côté. Et par contre il a bien marché en stream. On va se mater le clip hein, en vrai. Hein. Le clip est sympa. Hein. Ça rentre trop bien en tête, frère. Ah ouais. Ah les gars, pour moi là, on est sur du très gros level, hein, je trouve. Ça en termes de tube, tout ça, je parle, tu vois. On est pour moi sur du très très high level. On enchaîne avec Cœur à la maison. Lego. Même dans mon sommeil, souvent je rencontre mes problèmes. Je lui dis ce que je l'aime dans le creux. Écoute pas ce qu'ils disent, ils sont méchants. Oh là là, hey, ça a pris de ouf, hein. Il y a de tout. Mon plus gros défaut, c'est la rancœur. Laisse-moi, j'ai besoin d'être seul quelque part. Maintenant, petit cœur a peur, je me suis ouvert. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Dis-moi, suis-je en enfer? Si t'entends que je suis parti comme une légende, c'est parce que j'ai beaucoup à la maison. Je laisse mon cœur en jeu. Oh, le saxo. Ah, le saxo, c'est quelque chose. Je suis amoureux du saxo, moi. Le petit cœur te parle. J'ai laissé mon cœur à la maison. C'est pareil. Et en vrai, j'ai l'impression que tous les sons là, de cet album me font le même effet. C'est au début, je me dis, ouais, bof, c'est pas mon délire, en fait. C'est pas que c'est éclaté, mais c'est pas mon délire. Et à la fin, au dernier refrain, je suis là, je bouge ma teuté, frère. Eh ben, on est parti. Mowgli Black M, vas-y. Je suis chaud, Mowgli Black M. Allez, on est parti. T'es la plus belle de mes histoires. Je te le dis. Je jure tant qu'essaient qu'ils essaient. Mowgli, t'es battu. Dès ton premier jour, j'ai tout vu, tout entendu. Et je ne pouvais pas. C'est un son pour son fils, du coup. Après à tout tant qu'essaient qu'ils. Et si un jour je m'en vais, tu ne seras jamais perdu. Moi perso, je suis pas trop rentré dans ce titre là. Je suppose que c'est un son pour son enfant. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Ouais, non, je sais pas, je suis pas trop. Ouais, je suis pas entré dans le délire. On enchaîne avec Encre Noire. Victoire, je veux pas l'écrire à l'encre noire. Ouh, je sais pas pourquoi je sens que je vais kiffer son. Oh, j'aime bien. J'aime bien le début. J'ai vu des choses pas très jolies, solides. Nous deux à bord d'un gros. Là, ici, à l'intérieur. À chaque seconde, cette histoire, je veux pas l'écrire à l'encre noire. Après, tu étais tout ce que j'avais à l'encre noire. Il faudrait j'aime bien. Juste que tu reviennes. Il y a un côté mélancolique que je kiffe d'ouf. Son regard est la preuve que l'amour existe. Mon monde s'effondre, j'abrite une bombe. Je veux pas l'écrire. Moi j'aime bien. Et je suis friand moi de ce type de son. Parce qu'en fait ce son là on peut s'identifier facilement, tu vois. Et ça te fait penser à des moments, à une personne, tu vois. Ah c'est lourd hein. Très très lourd. On valide fort. Ah franchement, gros coup de cœur sur ce titre les gars. Je vous le dis, très très gros coup de cœur sur ce titre. Très très fort. Très fort. Ça a clippé ce son exactement et il faut que ça fasse partie des singles de cet album. 12e titre, Alpha. Alors les gars, je l'ai coché ce son. Quoi qu'il arrive, tu resteras toujours un débrouillard. Marche la tête haute et ne baisse pas les bras. Alpha n'est pas dans vos bails. Ah, tu vois déjà, je m'attendais pas à un son comme ça, toi. Alpha a la tête ailleurs. Alpha, lève-toi, bats-toi, l'avenir appartient à celui qui s'impose et qui ne baisse pas les bras. L'avenir appartient à celui qui s'impose et qui ne baisse pas les bras. Même si t'en as assez.
Tonton David le soir. Les gars, bonne année 96. Ah, mon gars, incroyable. Alpha, on a fait des fautes, mais tout le monde a ses défauts. Hey, Alpha, lève-toi, bats-toi, l'avenir appartient à celui qui s'impose et qui ne baisse pas les bras. Jeune homme, lève-toi, bats-toi, l'avenir appartient. Ça rentre dans la tête, ça aussi. Hein. Les gens, ils ont du vice, je le répète à mon fils. On fait des choses pour nous, s'il ne se relever. T'entends pas ou quoi? Meilleur son selon moi. Ouais, je peux comprendre. Moi, j'avoue, je m'attendais pas à un délire comme ça. J'aurais voulu un truc un peu plus old school, mais un truc reggae, pourquoi pas. Yeah, yeah, yeah. Oh, changement yeah, d'instru yeah, yeah. Oh, on va kiffer cette minute là. Ok. Souvent crâne, okay. Les galops baribales des camarades. Et dire qu'on va tous passer au cas par cas. Je suis impatient, veuillez parler à mon subconscient. J'ai l'impression que ça va finir mal. Mité, ils veulent me limiter, putain c'est de la D. Je voulais juste me balader, les refrains me noter. Arrête le vertige, faut pas qu'on s'éternise. Halloween Dr. Sneak, j'ai des choses à vous dire. Oh, avec l'enchaînement avec Dr. Snitch, incroyable. Du coup, on termine avec le titre Bye Bye. Donc avec Léa Djadja, donc évidemment, sa compagne. Bye Bye. Donc, moi, ça me fait penser au son de Ménélic. Bye Bye. On va voir. De toute façon, ça n'a rien à voir, en fait. Où t'étais? Invité par des potes à une teuf, on s'amusait bien, j'ai pas vu l'heure qu'il était. Ah ouais? Mais non, ils ont fait la reprise de Ménélic. Bye bye. Voilà, c'est le même son, ils ont fait. C'est pas un sample, c'est copier-coller, ils ont fait un CTRL-C, CTRL-V. Et tu verras que le son il va cartonner. Ah ouais, et tu crois que t'es attendu pour le faire? Alors j'y a plein temps. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans ouais. Faille, reste cool. Ouais, ouais, ouais. Il est 2-3 heures du matin. Ah oui. Tranquille, on en parle. Je couche, mais je me casse. Très bien, tu t'en occuperas. Tu bégayes. Eh ben, je suis très triste de terminer là-dessus. Les gars, la légende black. Alors, mon avis sur ce projet même. Les gars, moi, je vais être clair et net. C'est un album très riche, musicalement parlant. Très riche, pourquoi? Parce qu'on a de tout. On est passé sur des sons, on a eu du... Bah évidemment, surtout les extraits, notamment l'extrait Dr. Snitch, l'extrait de l'album auquel on avait réagi. On a un DR très rap, en plus rap très spécial. On a eu un son un peu épique avec l'intro légendaire. On a eu un son... Enfin... Pour moi, le tube du projet qui est Grandir avec Amir, très très gros son, l'un des plus gros sons vraiment du projet. On a eu du reggae avec les Nègres Marrons sur le titre Alpha. On a une reprise du titre Bye Bye. Ok, voilà, pourquoi pas. On a eu un délire un peu afro avec Tagada. On a eu un délire très sensuel, etc., très R&B avec Tyke. On a un son aussi, on va dire, basé sur l'émotion, très mélancolique, avec le titre Mowgli, un titre pour son fils, si j'ai bien compris. Un titre très très fort aussi, Encre Noire, très très gros coup de cœur sur ce titre. Vraiment Encre Noire, incroyable, il faudrait vraiment qu'il le clip ce son. Il y a le son Smile aussi, que je me suis pris en pleine face, qui a un son très spé aussi. Donc voilà, il y a quand même quelques sons qui ressortent de là, et tu te dis, ouais, quand même, c'est pas mal, et il n'y en a aucun qui se ressemble. Alors c'est vrai qu'en plus, je suis le premier à chaque fois à critiquer les albums où, par exemple, on a 14-15 titres, et c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, ça tourne en rond, le mec qui sort un projet de l'année d'après, c'est les mêmes sons, et moi, ça me saoule. Donc là, je peux même pas critiquer Black M sur le fait qu'il y a de tout. Mais là, ça peut être... un peu trop. C'est-à-dire qu'on peut se perdre sur l'identité musicale de Black M. Parce qu'aujourd'hui, Black M, en vrai de vrai, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire que moi, perso, Black M, je peux même pas dire, je peux pas te dire ce que c'est. Aujourd'hui, Gims, on peut dire ce que c'est. C'est un mec pop, chant, et il va te sortir quelques titres latino, si j'ose dire, voilà, bref. Notamment avec Maluma, voilà. Tu vois, je veux dire, chacun
à une spé, tu vois, je veux dire, à une spécialité, à un truc, à une identité. Black M, je sais pas en vrai, là, aujourd'hui, tu vois. Je sais pas. Donc, il a pris des risques. Ça, je reconnais. Je kiffe les artistes qui prennent des risques et qui sortent de leur zone de confort. Mais là, pour moi, ça fait pas album, ça fait plus mixtape, EP, dans le sens où, vas-y, on met plein de sons, on voit ce qui va bien marcher, et dans le prochain album, on va faire des sons autour de ce qui a marché. T'as capté ? Et c'est pour ça que je trouve ça un peu... Je reste sur ma faim. Alors, je connais pas vos avis, les gars. Là, il y a Dobbs qui, par exemple, a dit, là, il a fait des efforts d'originalité, mais il chante de tout. C'est ça, la force du gars, il est polyvalent. Ah, ça, bien sûr, ça, frérot, des mecs comme Black M, JST Gims, voilà, il y en a beaucoup, et enfin, il y en a pas beaucoup, justement, qui sont capables de faire ça. Mais du coup, moi, je me perds. Je suis auditeur, je suis fan, je suis un grand fan de la section d'assaut, tout le monde sait l'amour que j'ai pour la section d'assaut, et quand j'ai la section d'assaut, c'est chaque artiste qui font partie de la section. Mais pour être honnête, si je prends du recul et être objectif un minimum, je connais pas l'identité musicale de Black M. Je kifferais, moi, lui poser la question et lui dire, c'est quoi ton identité musicale ? Comment tu te définis musicalement parlant ? Moi, je kifferais de ouf qu'il réponde à cette question, tu vois. Mais c'est pour ça que je reste un peu sur ma faim. Donc, j'irai pas que c'est un projet raté, un album raté. Je vais pas dire non plus que, voilà, c'est un album qui va pas se vendre, c'est un album qui va cartonner. Moi, j'en sais rien. Moi, de toute façon, les trucs de vente, vous savez, pour moi, c'est superficiel. Il y a des albums qui font... même pas 5000 ventes et qui sont des tueries. Il y a des albums qui font disque d'or en 3 jours et qui sont rincés. Donc pour moi, voilà, c'est, après, ce sont que les goûts et les couleurs, hein, vous-même vous savez. Mais pour revenir du coup à ce projet, je suis pas forcément déçu, mais en fait là je suis en train de me dire, c'est un peu ouf ce que je vais dire, mais en fait je me fais un enterrement. Là, je me dis, voilà le Black M que j'ai kiffé, ou voilà, évidemment, sur le côté rap, le côté texte, je sais que je le verrai plus. Je sais que je le verrai plus. Voilà, en plus, j'ai regardé là en détail, c'est... ils ont comme label, enfin... si vous regardez bien, en fait, à chaque fin de playlist, surtout sur Spotify, les playlists albums, vous voyez à chaque fois, vous avez le nom de la maison de disque, etc., label, bref, tout ce que vous voulez. Et il y a marqué TF1 Musique. Donc en fait, c'est ça le truc, c'est que j'enterre en fait un artiste pour moi que j'ai kiffé. En fait, la partie que j'ai le plus kiffé, tu vois. Je dis pas que là, par exemple, la preuve, j'ai cité des sons que j'ai bien aimés, mais c'est pas le Black M que je kiffe. Je l'ai kiffé dans Dr. Snitch, tu vois. Bah ouais, Galactic, de ce que j'ai vu, ouais, TF1 Musique. Et en plus aussi, de ce que j'ai compris, il a fait le son Bye Bye là, avec sa femme. Sur TF1 en concert, de ce que j'ai compris, parce que j'ai vu un peu dans sa story, donc du coup j'ai zappé pour pas écouter le son, tu vois, mais j'ai vu quelques images, quelques photos et tout, mais du coup voilà, moi en fait malheureusement j'enterre avec beaucoup de regrets l'artiste que j'aimais beaucoup, mais à un moment donné il faut être honnête aussi, c'est pour ça que j'essaye d'être le plus objectif possible. C'est le gars, il arrive à un certain âge aussi, hein, il est pas non plus tout jeune Black M, même s'il paraît pas vieux, évidemment, mais il va pas faire ce qu'il faisait quand il avait 20 piges. Il va pas faire voilà, ce qu'il faisait à la section d'assaut, au tout début de la section. Il y aura un décalage trop gênant et tout. Donc, je pense que c'est l'auditeur et le fan qui parlent du côté enterrement, qui parlent du côté, voilà, un peu dégoûté. Ouais, ah non, Black M, maintenant... Tu sais, c'est comme les mecs qui disent, ouais, non, ça y est, lui, il rappe plus, il chante... Mais frère, on va pas parler un mec qui rappe à 45 piges, c'est gênant, les gars. Enfin, ça dépend quel rap. Après, il y a rap et rap. Mais celui qui veut rapper, qui veut parler de la rue, je sais pas quoi, alors qu'il y est plus, il a 45 piges, frère, c'est trop gênant, il y a un décalage. Donc Black M, moi, j'accepte. En fait, j'accepte le deuil. T'as capté ? C'est ça, en fait, le vrai terme, c'est j'accepte le deuil que il va pas faire ce qu'il faisait avant, ce que je kiffais le plus. Voilà. Mais c'est, pour moi, c'est pas un projet raté. C'est un projet qui reste très correct. Et musicalement parlant, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est très riche. Mais même si on peut s'y perdre. Voilà mon avis final sur le projet de Black M.